to express my discontent and to be with the people and to support the movement, actually, because it's a great movement. It's a good power in there. Om een stuk mijn steun te betuigen bij het globale protest dat aan de hand is momenteel. Een stuk vanuit eigen overtuiging dat het eigenlijk wel tijd is om eens wakker te worden hier in Europa en ook eigenlijk over de hele wereld. Dat we moeten stilstaan bij hetgeen dat aan gebeuren is in onze economie, in onze huidige bankentoestand, de huidige crisis eigenlijk. Ja. I'm here because, well, I'm living in Leuven and I thought it's a good moment to manifest my indignation, yeah. Since Spain, because I'm from Spain, I'm indignada. I would like to be here to do exactly the same. I'm in Spain, but here. Yeah. Yeah. And why are you really indignant? Why are we... Because in Spain the politics are having jokes with us, with the people, and we need to change. We need change. The in economy and politics, everything. We need change. Bon, moi, je suis dans cette manif parce que ça fait partie d'un mouvement global. Contre les spéculations, contre les finances, contre la crise et contre surtout les mesures qui ont été prises depuis 3 ans qui font payer la crise à ceux qui ne sont pas responsables. We moeten veranderen. Daarom ben ik ook hier. En waarom vindt u dat we moeten veranderen? Als ik om me heen kijk, zie ik veel problemen. En daarom moeten we veranderen. Eh bien, parce que je suis une travailleuse et que je crains pour mon avenir. Comme la plupart des gens qui sont ici. Vous mettez votre argent dans les banques, vous ne savez pas ce que ça devient, vous risquez de ne plus avoir de pension demain, c'est pas normal quoi. Je crois qu'il faut commencer à changer un peu la mentalité néolibéraliste de notre pays. La démocratie n'est plus juste, elle est plus directe et c'est ce qu'on veut. Donc on veut un changement. Ik ben hier om te protesteren natuurlijk, om te betogen tegen al wat er verkeerd gaat nu met de banken en de vermenging van politiek en financiële systeem. Dat wil ik wel aan de kaak stellen. Maar ik wil het op een positieve manier doen, niet alleen anti zijn, maar ook met een positief vooruitzicht, een positief alternatief. Je suis de Bruxelles, je suis membre aussi d'un mouvement social qui s'appelle ATTAC, l'association ATTAC. Et bon, naturellement, nous partageons une bonne partie de l'analyse et en tout cas du constat qui a été fait par les indignés en Espagne, c'est-à-dire que nous avons un sérieux problème de démocratie. Nous sommes assez largement sorti de système démocratique malgré les apparences. Donc nous pensons que c'est un message très fort que nous appuyons totalement. Et puis bien entendu, nous avons, comme tout le monde le sait, l'a constaté, un très sérieux problème de crise financière, bancaire, crise du capitalisme, il faut le dire. Et ce mouvement et cette manifestation s'inscrit totalement dans cette démarche-là. Donc nous adhérons totalement au mot d'ordre de la manifestation. Donc c'est pour protester, donc protester principalement parce qu'on veut du changement. On n'est pas d'accord, on n'est pas content comment le budget de l'État, le budget européen et ça sont répartis. Voilà, pour protester parce qu'on veut du changement. Pour protester contre le capitalisme, le système économique actuel. Hein. En la crise actuelle. Om de revolutie te steunen. What is your disconsent, your main disconsent at this moment? Actually, about that we've been promised with Europe we've been promised something, which is not only about money, which is not only about, but it's also a unique idea. And now that Greece, now like the single interruption, everything is about to fall off, and this can't be. I don't like to be foolish. De manier hoe het mijn geld omgesprongen wordt, is eigenlijk een van de grootste hoofdredenen, denk ik. Zeker. Is money the cause of the problems? I don't know actually if it's the money the problem or is the politics. Maybe they don't use good the money in a good way. I don't know. But something with the people need to go together, join them and try to think about new ideas to try to change the things. Bah, c'est pas tellement l'argent, c'est surtout l'utilisation qu'on fait de cet argent. Il y a
la valeur des choses. Il faut repenser la valeur des choses qu'on achète, il faut repenser pas mal de choses, mais je trouve que c'est un moment qui commence à réfléchir sur quel avenir et quel type d'argent et quel type d'échange entre les gens et entre marchandises et gens. Mais l'argent, non, c'est les gens qui l'utilisent de manière mauvaise ou pas. Le bien-être des personnes qui est important, c'est le profit à tous les niveaux et surtout au haut niveau, bien sûr. Quand vous êtes un petit épargnant, aujourd'hui, autant mettre comme dans du temps de nos grands-parents votre argent dans une chaussette ou sous le matelas. Vous n'avez rien. C'est uniquement pour les bourses, pour le capitalisme, pour les grandes fortunes, quoi. Les petits n'ont plus droit à rien, juste travailler et n'être plus même sûr d'avoir une vieillesse digne et finir leur vie dignement après avoir durement travaillé, je crois. La corruption, le manque d'éducation, la pauvreté, voilà. Le problème principal auquel on fait face, c'est effectivement la mainmise, le contrôle de la vie économique, mais aussi finalement de plus en plus de la vie sociale par les pouvoirs de l'argent. Et donc finalement, je dirais, il faut le dire, je pense, par le système capitaliste lui-même, qu'il faut pouvoir transformer assez radicalement. Mais que derrière tout cela, finalement, le problème véritablement de la démocratie est peut-être pour moi le plus important, parce que nous n'avons pour le moment, la population, pratiquement pas le moyen d'amener des réformes. Et le système politique représentatif, tel que nous l'avons maintenant, est, selon moi, totalement défaillant. Et donc, il montre que de plus en plus, on a une grande distance entre la représentation politique et les désirs de la population. C'est de plus en plus clair. Et donc, le problème, la crise de la démocratie est pour moi, disons, le cœur du problème qu'il faut résoudre d'urgence. Je pense que les politiques sont là pour nous aider, pour faire le travail, pour diriger les pays. Donc s'ils voient d'un côté qu'il y a une réponse négative du peuple, eh ben, ils devraient pouvoir changer. Normalement, c'est ça l'objectif, je crois. Oui, c'est le système monétaire qui crée tous ces problèmes-là. Et on tombe forcément dans ce genre de problème avec un système monétaire, avec la dette, l'intérêt. Ça ne peut pas marcher en fait à long terme. Sur une planète finie, on ne peut pas faire fonctionner un système qui exploite des ressources infiniment. Comme notre système en fait. Le financieel systeem, dus de banken, het geld, het is niet voor niks nodig. Dus, we kunnen perfect zonder. Ik denk dat het geld en ons financiële systeem problemen veroorzaakt, zoals corruptie en... Het systeem zelf niet, maar de mensen die erachter zitten. Dus bedrijven die enkel en alleen aan winst denken en niet aan mensen. Dus meer winst maken en minder voor de mensen. En de overheid ook natuurlijk, die tegenwoordig alles doet om banken te redden, maar niets voor de mensen. Hebben we echte democratie? Of? Ik denk hier in Europa natuurlijk wel meer dan in andere delen van de wereld. Maar toch, politiek gezien hebben volgens mij is politiek al een tijdje dood en kunnen wij daar weinig nog aan toebrengen. Alles wordt geleid door geld en alles wordt gestuurd door lobby en door ratingbureaus. Zij bepalen momenteel hoe alles verloopt. Zij geven waarde aan iets. En of dat dan nu klopt of niet, blijkbaar gaat iedereen er maar in mee. Dus ja, nee. Bestaat niet. Bestaat niet. Dat is een grap. We hebben... een schijnbare democratie, maar... Het is een schijndemocratie, ja. Het is een spel. Het is een poppenkast en wij zijn de poppetjes en daar komt het op neer. We hebben weinig invloed of... We hebben geen invloed. Tenzij we dit soort acties doen, dan kunnen we invloed uitoefenen. Maar door te stemmen oefen je geen invloed uit. Enkel door op straat te komen en je stem te laten horen. Ja, en stoppen met waar we mee bezig zijn. Ja, de gewone gang van zaken. Het moet stoppen en we moeten op een andere manier verder. Mais dans une démocratie, normalement, c'est comme ça que ça devrait se faire. Donc, c'est nous, les gens, le peuple, qui votons et qui devrions pouvoir décider. Les décideurs devraient décider ce que le peuple a choisi et pas l'inverse. Ah non, c'est plus une démocratie correcte. Justement, c'est plus une démocratie directe. Et donc, c'est ce qu'on veut. On veut le changement et on est là pour ça.
Et c'est un phénomène social, comme tu l'as dit, donc c'est partout dans le monde, c'est pas qu'à Bruxelles. Ouais. Et voilà. Ah, ik denk het niet, hè. We mogen niet om de vier jaar eens gaan kiezen, maar wat maakt die stem nog uit als ze dan achteraf toch dingen doen waar het volk niet achter staat? Dus ja, ik vrees er eigenlijk een beetje voor. De vraie démocratie, comme on l'a créée, oui, avec un vote à la majorité, etc., on vit toujours de ça. Maintenant, la question, c'est de savoir si est-ce que ça, les votes au suffrage, etc., à des 50%, etc., la question, c'est de savoir si c'est ça la démocratie ou pas. Et ici, je crois qu'on est tous d'accord, en tout cas, bon nombre d'entre nous sont d'accord pour dire que non, qu'il y a un manque de respect des minorités dans cette manière de démocratie et donc on ne peut pas appeler ça de la démocratie. Nee, dat denk ik niet. Dus echte werelddemocratie, dat hebben we nodig. Tu penses qu'on peut changer des choses avec les mouvements comme ceci? Je crois qu'on peut changer les choses, oui, sinon je ne serais pas. Et c'est pas une question de pouvoir, c'est une question de déboire. Je crois qu'il y a plus de gens au monde qui commencent à rendre compte que c'est pas une question qu'une autre société est possible, mais une autre société est nécessaire. Pour la planète, pour la société, pour l'avenir pour les générations à venir. Alors on peut changer les choses. L'histoire de l'humanité, c'est un ensemble de mouvements qui ont fait changer les choses et on fait partie de cette histoire et de ces moments. Je crois qu'il faut commencer le changement, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Il faut essayer de fomenter l'idée aussi d'un changement. Et la manifestation, c'est comme ça que ça commence, quoi. Et... Qu'est-ce que tu penses de la démocratie? Est-ce qu'on a encore une vraie démocratie? Ja, we moeten het samen veranderen, want anders zal het niet gaan. Als we het van de politiek alleen laten afhangen. We denken dat we een stem hebben of dat we in een democratie leven, maar eigenlijk hebben we weinig te zeggen. Dus we moeten laten zien dat we 99% zijn van de mensen en niet de 1% van de rijken of de gevestigde machten. Dus als we allemaal samen solidair laten voelen dat we er niet mee akkoord en dan kunnen we misschien verandering teweeg brengen, want daar is nu wel het moment voor, vind ik. Ouais, enfin ici c'est plus qu'un mouvement pour moi un mouvement local parce que je crois que si vous allez voir sur le site 15octobre.net, il y a plus de 900 villes où il se passe des manifestations aujourd'hui. Donc c'est déjà plus qu'un mouvement local, c'est déjà pour moi un mouvement global. Bah déjà on peut faire voir à toutes les autres personnes qui ne participent pas qu'il y a plein de personnes qui sont contre le capitalisme, leur faire voir qu'il faut ouvrir les yeux, qu'il faut se documenter, qu'on peut changer les choses, qu'il y a des solutions. And do you think that money makes you happy? No, not at all. Maakt voor mij niet veel uit. Gelukkig. Ja, maakt het gelukkig. En de huidige wereld misschien wel. Omdat we in een soort van illusie leven dat geld gelukkig maakt. Dus iedereen gaat er maar voor. Dus, maar voor mij maakt het niet per se gelukkig. Zo van, ik heb andere dingen die me gelukkig maken. Well, the people need money, you know. You need money, but no, be robbed, you know what I mean? I mean, you win your money, but you deserve to control the money in a good way. Not only for one people, for politics or for rich people, and the other people is bad, you know what I mean? Ja, je hebt een beetje nodig, maar ik zou toch liever in de wereld zonder geld leven eigenlijk, moest dat kunnen. En ik denk wel dat nu het moment is om daar eens echt over na te denken. Het kapitalistische systeem heeft misschien wel zijn nut bewezen, maar het is nu wel tijd voor verandering. Want het kan zo niet verder gaan. Het gaat zichzelf waarschijnlijk uitsluiten. En dan moeten we toch zien dat er een alternatief is of er gebeuren opstanden en komt er misschien nog een oorlog van. Je ne pense pas que d'acheter plein de choses ça nous rend plus heureux. C'est pas l'argent qui fait notre bonheur. C'est le partage, c'est l'amitié, c'est l'amour entre nous tous. C'est pas l'argent. L'argent, c'est juste un outil qui a été exploité par les plus malins d'entre nous, on va dire. Et ça a été tellement exploité que le système en est là, quoi. Enfin, ça peut plus durer. Tu peux t'imaginer un monde sans argent? Un monde sans argent, je crois que c'est une aspiration. C'est comme un monde sans un État, et sans dirigeant, sans monde sans contrôle, sans monde d'autogestion. On est loin, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas marcher vers là. Je crois que les premiers pas pour arriver à ce monde, c'est surtout prendre contrôle
des grandes multinationales, des grandes entreprises, des finances, et les mettre sous contrôle de la population, des travailleurs, des syndicats, comme un premier pas pour marcher vers un monde sans argent. Mais c'est un bon objectif final, mais il faut avoir des pas intermédiaires. Wat zijn de basisbenodigdheden van elke mens? Ja, gewoon de primaire behoeften bevredigd zien. Hè. Eten, drinken voor iedereen, een dak boven je hoofd, onderwijs. En je vrije tijd kunnen besteden aan dingen die je interesseren. En geen loonslaaf meer te moeten zijn. Dat we onze dagen beter kunnen besteden eigenlijk, wat we eigenlijk niet doen. En doen waar je zin in hebt en wat je graag doet. Geen beroep uitoefenen tegen je zin, 7 dagen op 7, maar... Moi, je crois que d'abord, cette société qu'on habite devrait assurer que tout le monde dans la planète, et on peut le faire, a un toit, une maison, et là... Il travaille, il fait quelque chose pour l'ensemble de la société. Et là, c'est soins de santé couverts, garantis, et une éducation et un futur pour ses enfants. Et les jours où on a tout ça, on peut commencer à parler d'avancer, mais on n'est pas même là. On a des sans domicile fixe, on est des chômeurs, on a des gens qui ont. On voit en Grèce que la situation de la santé de la population elle est en chute libre à cause de l'austérité. Je crois qu'il faut d'abord regagner tous les terrains qu'à un moment on pourrait avoir gagné. Et là, je crois que si on fait ça, c'est parce qu'il y a une grosse mobilisation populaire. Et là, on peut se poser la question de où on va. Mais maintenant, c'est la résistance pour avancer après. Moi, je me promène, je vois beaucoup de gens qui font l'aumône, qui demandent. Moi, ça m'indigne. Je ne suis pas heureuse de me promener dans une ville où on rencontre des mendiants à tous les coins. Moi, je pense que tout être humain a droit à la dignité. Et tout ça, ce n'est pas que ces personnes me dérangent, c'est que ça ne devrait plus exister. Ces gens devraient avoir une vie digne et normale, comme tout un chacun, un toit, un travail, un salaire digne qui leur permette de vivre dignement. Mais une première chose qu'on doit sans doute devoir faire, c'est se défaire de l'idéologie dominante, de l'idéologie ou de l'emprise de la publicité, de la consommation, du désir de consommation qu'on nous pousse tout le temps à avoir et qui finalement est un désir qui n'arrive jamais à être complètement satisfait. Donc il faut se défaire de cette démarche-là pour revenir simplement aux fondamentaux et reprendre aussi, sortir aussi de l'individualisme qu'on nous imprègne, qu'on nous implique, qu'on nous imprime et revenir, je dirais, à se reconsidérer comme un membre de la société et réfléchir aussi beaucoup plus dans ces termes-là. Et c'est source de beaucoup, je pense, d'apaisement et de satisfaction. L'individualisme est source de frustration, je pense, beaucoup. Maintenant, on espère qu'il va y avoir une réponse des politiques et qu'on ne sera pas, nous, obligés de faire le changement. Maintenant, bientôt, je pense que s'il n'y a pas de réponse, etc., là, il faudra vraiment qu'on prenne des mesures entre nous et qu'on continue le mouvement. On va avoir une société durable, basée sur le partage, vraiment sur un changement de valeur, en fait, de l'humanité. Si on commence à manifester de façon violente, qu'on fait la guerre pour obtenir certaines choses, on partira sur des mauvaises bases et on veut pas ça, on veut la paix pour tous les êtres humains en fait. What do you think makes you happy? Wow. Personal relationships. Yeah. Yeah. Connecting with other people. Yeah. Yeah. Yeah, actually, there's a great power in this globalizing world and in this European ideas, so it's not. Yeah, we can't allow to fall apart. Dingen creëren, muziek maken, bezig zijn in een tuin, plantjes zien groeien, mensen begeleiden van mensen, dat maakt mij gelukkig. Daar resultaten in zien eigenlijk. Ik denk dat daar de grootste dingen zijn waar ik iets veel aan heb eigenlijk. Ja. Well, every people is different, you know, but for me is my degree. I'm studying psychology and try, I don't know, be happy. I don't know, it's complicated. Okay. Well, and you? What do you? That's for another interview. What makes you what happy? Makes me happy? My family, my friends, feeling connected to other people. Mm-hmm. Yeah.
certainly not money. You need money in this world to buy stuff, but it's not just what makes me money, happy. Just enough money to get to eat and have a normal life. Yeah. You have your basic needs met and what needs, people need. Yeah, I think so. Als iedereen gelukkig is. Andere mensen rond jou. Iedereen. Ben, j'aimerais que tout le monde soit heureux, que tout le monde ait de quoi vivre dignement. Ça t'a fait... C'est aussi mon bonheur à moi. Mais en même temps qu'on fait cela, je dirais qu'il ne faut pas oublier de profiter de la vie de tous les jours. Et je pense qu'il ne faut, faut pas séparer les deux choses, parce que je dirais simplement se révolter est positif au niveau de l'action. Mais je dirais rester tout le temps dans ce type d'attitude peut-être pas agréable. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre aussi son plaisir dans la vie quotidienne en même temps qu'on essaye de transformer les choses. Mais là, aujourd'hui, je suis très influencé par voir que tout le monde est uni et que tout le monde est d'accord et qu'il y a beaucoup de gens ici qui... Et c'est ça qui me rend heureux aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est d'être là parmi vous avec plein de gens qui veulent le changement, comme moi en fait. Hein, voilà. Very personal cook. Absolute. Absolute. En zijn er nog dingen? Ja, natuurlijk. Hè. Eten, drinken, water, de belangrijkste benodigdheden. Hè. Dus geen auto's, geen bling-bling. Niets van die dingen. Thank you for the interview. Thank you. Bedankt voor dit interview. Dank u wel, graag gedaan. Merci bien pour l'interview. Merci beaucoup. Bedankt voor dit interview. Merci pour cet interview. De rien. Merci pour cet interview. Merci très bien pour l'interview. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Micro et moi je suis... parce qu'il est autour de ma tête là. Uit die documentaire is een sociale beweging ontstaan, een zeitgeist noemen, een globale beweging. En we zijn hier onder andere voor die sociale beweging ook meer bekendheid te geven. En we zouden heel graag hebben dat die documentaire nog even een keer op Canvas komt. Maar kijk er eens naar en laat u verrassen. Ja, oké. Dankjewel, succes. Sorry, information is everywhere. Bedankt voor het interview. Zeitgeist!